Voilà un colis à ne pas mettre entre toutes les mains, livré par camion avec la plus grande discrétion. Il contient 25 kg de dynamite, destiné aux pisteurs artificiers du Mont d'Or. Le but, déclencher préventivement des avalanches pour sécuriser le domaine. On a eu de la neige fraîche pendant une quinzaine de jours. Et puis tout de suite, on a un bon redout avec vent de sud, avec 30 cm de neige assez lourde, donc un manteau instable. Trois équipes composées de deux pisteurs sont constituées, chacune prépare ses charges à l'abri du poste de secours. Direction ensuite plusieurs secteurs du domaine et ici, sous l'arrivée du téléphérique, les explosifs seront lancés. Ça c'est pour essayer de déclencher les plaques avant, les choses comme ça quand il y a des accumulations. Après le reste c'est pour les tirs de corniche quand on charge, il y a deux techniques différentes. Avec le froid vif et un vent très violent, les gestes doivent être précis. Une opération toujours quelque peu stressante pour les pisteurs. La mèche lente est reliée au détonateur. Et 1 minute 30 après l'allumage, un grand boom assourdissant résonne dans la montagne. Donc pour le tir dans le couloir des poubelles, c'est OK. Apparemment, ça c'était positif. Mais bien que sécurisé, le haut du domaine restera fermé cette journée en raison de conditions climatiques très difficiles.